Après avoir formé un gouvernement provisoire et rétabli la République française, le général de Gaulle se rend en septembre 1944 à Toulouse. Le général de Gaulle y rencontre l'aviateur Doré, qui fut le premier à reconstituer chez nous une escadrille de chasse. L'enthousiasme se manifeste à l'américaine. Mais la chaleur toulousaine l'emporte et le général de Gaulle réussit à grand-peine à fendre la foule pour arriver au Capitole. Sa venue met fin au pouvoir des groupes de résistance et rétablit l'ordre national tout en assayant son autorité.